m'appelle Alexandre Arcous, je suis de la promotion 1992 en génie informatique. La première recherche d'emploi, en ce qui me concerne, est venue me chercher. J'ai commencé par être ingénieur de développement, ensuite responsable informatique. Je suis devenu technico-commercial chez un éditeur de logiciels avant d'intégrer un cabinet de conseil. Et puis j'ai fini par créer ma société actuelle qui est Bissam. Bissam est un éditeur de logiciels dans le monde de la gestion de portefeuille. Donc c'est la gestion de fortune et des fonds communs de placement en bourse. Nos logiciels mesurent la performance des gérants, la performance des marchés, mais aussi le risque pris à la fois au niveau de la gestion, mais au niveau aussi des marchés, des conjonctures économiques ou géopolitiques. Pour occuper ces fonctions, il faut savoir prendre des décisions parfois vite, parfois douloureuses. Il faut aussi savoir gérer les hommes. Notre premier bureau était 10 mètres carrés, on était 3 personnes. Aujourd'hui, on a 4 filiales à Londres, à New York, à Hong Kong et à Paris. On peut dire que l'UTC mène à ce genre de succès aussi. La formation UTC m'aide beaucoup. Il faut aussi être débrouillard, c'est ce qu'on apprend beaucoup à l'UTC. C'est vrai que les expériences qu'on a acquises au cours des stages de l'UTC sont importantes. J'invite beaucoup les étudiants de l'UTC à faire des bons stages et puis surtout à faire un bon travail lors de leur stage parce que ça peut être un élément déterminant pour le premier emploi. Les UV de style sémiologie de l'image ou création d'entreprise à l'UTC, pour moi, étaient très enrichissantes. Avoir de l'imagination, c'est aussi important que faire des maths. J'ai fait mon projet de fin d'études à l'université de Chalmers à Göteborg en Suède. C'était une expérience très enrichissante, effectivement culturellement. Ça m'a permis de développer mes capacités d'adaptation et linguistique et qui sont des éléments déterminants pour le métier d'ingénieur. J'étais le président de l'association des anciens, donc je garde un lien avec pas mal de personnes de l'UTC dans mon entourage. Si je devais résumer l'UTC en quelques mots, je dirais du sérieux, de l'adaptabilité, de l'intégrité et du fun et une très bonne ambiance.